Thank you, Father. We bless you. We bless your name. You are welcome. Bless you, bless you, bless you, bless you. Welcome. Bonjour, bonjour à chacun de vous. Bonne arrivée. Bonjour à Clément Domingo. Bonjour à Marie Eko. Bonjour à Philippe Ebenge. Bonjour à Aïchi Balbin. Bonjour à Keilia Limogum. Bonjour à Choupi Choupi. Bonjour à Chofo Sandra. Bonjour à Inès Inès. Choupi Choupi. C'est-à-dire qu'il y a des noms très loin sur ce forum-ci. Bienvenue à la lumière des Saintes Écritures. Nous attendons nos frères. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Si c'est la première fois pour vous d'être là ce matin, abonnez-vous. Je vous en prie. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Aimez, likez la page. Bonjour à mon fils, le prophète Jérémie. Bonjour à Vitus Valdez. Oh, ça, c'est extraordinaire. Voilà, connectons-nous s'il vous plaît. Nous attendons tout le monde ce matin. We are waiting for everyone. We bless the Lord for this occasion that that has been given to us. It's like a granted grace to each one of us. So bless the name of the Lord, and we believe that this morning the Lord will give us again to see His glory, to touch His glory, to live in His glory, and to experience new things, miracles, elevation in our life. Yes, I believe in God. I believe in His promises. I believe in His faithfulness. And I know that this morning the Lord will touch you again and bring you in another level. Bonjour à Werash. Voilà. We bless the name of the Lord. Please be connected. Be connected and share the video. Share into your groups. Share to your friends. Share to your relatives.
call them and tell them that we are there. And the thing will just start very soon. Si vous êtes à Berthois, nous sommes dans la ville de Berthois, par la grâce de Jésus-Christ, pour ce grand programme qui a commencé hier mardi. Aujourd'hui, nous continuons tout à l'heure à partir de 16h. Nous sommes au niveau de quartier Mokolo 1 à Berthois, à l'ancienne SCT. Donc, connectons-nous massivement ce matin, s'il vous plaît. Appelez même par téléphone. Dites que le prophète Ferdinand Kane est en ligne. Il est en ligne pour un grand direct ce matin. J'ai dit que je veux parler de comment la délivrance de mon épouse vis-à-vis du coq. Le coq qui ne voulait pas que Jemima vienne au monde. On va partager sur cela pour que les gens comprennent la réalité de la sorcellerie. Quand on parle, il y a des gens qui vraiment perdent leur temps pour rien. La sorcellerie est une réalité. Nous avons combattu et nous avons été vainqueurs et victorieux. Et nous bénissons le nom du Seigneur. C'est pour ça que je peux parler avec autorité à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous pour expérimenter la victoire. On partage cette expérience. C'est pour ça que les femmes font souvent et ça fonctionne. Le miroir. Zamatawa inna glasperazen in krazo fremi in aberazo maliki filal wa ines klate data wa anna barita udela. Pardon, ça c'est un dangereux direct. Partage ce direct. Partage s'il te plaît. Partage ça au maximum possible. Nous allons parler de la Bible. C'est un forum à la lumière des Saintes Écritures. Donc nous attendons les autres. Nous attendons les autres. Il n'est que 10h03. Donc nous attendons les autres. Connectons-nous au maximum. Et prends ton temps. Et puis installe-toi bien. Écoute ce matin parce que Dieu va porter une grande délivrance dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Et je veux dire que la ville de Berthois est bénie. Non, si vous êtes à Berthois, vous êtes bénis. Hier, c'était le premier jour. C'était le jour introductif. C'était l'incipit. Des milliers et des milliers de gens sont venus. Nous avons suivi des témoignages émouvants. Ici, à Berthois, ado ya rabbo ne be sirima ankam vima do kam afamata dum sam himbe sakli mander karama ko kambe sakli ma jemma adanata to adani do maybe on alarata der koydol jimaada do banduma don nawa ma ayi doctor be fi koko be larata o bien be hokki malike aton horgaima to min do rena makaje kiki de handero awara bertoa ancienne sct quartier mokolo 1 aviatan be yarama ha ancienne sct quartier mokolo 1 ha prophète kane ferdinand woni do awara mintor dan be mada mido berto ta jodo o se ta jodo sare a fotea panga der fami mondo de leñol mabbe bangata robe teata robe yata yeso worbe yata ko yeso kon watta fu filu mon yata ko yeso an kambe happi mon be happi tinde ti mondo der karamako o bien der siri to wala problem mido reina mon on dutbe hande do on wara on dutbe ancien sct ha berto quartier mokolo ay on wara on dutbe kadi. Donc soyez très nombreux. La ville de Berthois, venez nombreux, 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 nombreux. Vous avez des cas difficiles, des cas de sorcellerie, des cas de blocage, etc., etc. S'il vous plaît, soyez très, très nombreux. Soyez très, très nombreux ce soir. Ça sera la folie. Et on a introduit. On a suivi des témoignages extraordinaires. Des témoignages terribles. Des gens guéris. C'est-à-dire des maladies mystiques, des maladies physiques. Des gens qui ont jeté leur béquille. Je vais dire à l'équipe de Zoé Channel de se rassurer que le direct, si c'est que je vois la télé là, que ça s'arrange immédiatement. Donc, produisez, même si c'est la magie, pour que ça puisse marcher. Faites votre travail, que le peuple de Dieu ne soit pas privé de la parole de Jésus-Christ. On n'est pas ici pour jouer. C'est un forum très sérieux, à la lumière des Saintes Écritures en mémoire de Momi Shalom et Kane. Donc, si vous êtes à Berthois, vous êtes malade, vous êtes bloqué, etc., la ville de Berthois est en fait. Les fondements de l'enfer seront ébranlés. L'œuvre du diable contre votre vie sera anathème au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, s'il vous plaît, ne manquez pas ce soir. Vous êtes à Berthois, ne manquez pas. Our dear listener, we love you so much. We are in the city of Berthois by the grace of God since yesterday, and we have begun the program. And yesterday was wonderful. It was marvelous. I tell you, the word of God was preached with power. And the Spirit of God was moving among the people of God.
And we saw miracles and testimonies, powerful testimonies. And I believe that tonight will be greater than yesterday. So don't miss this program. Don't stay at home. Just move from your house, from your office to the place. The place is situated at Mokolo 1, the quarter Mokolo 1, just behind. You just say old SET, ancienne SET. So just come. The hand of God will just touch your life, and you will see what will happen after this program into your life and in your family, in your finances, your spiritual life. You will see that there will be a very, very move, a very powerful move of God in your life. May the Lord bless you. We are waiting for you. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Alors, on va commencer. Maintenant, nous pouvons commencer notre direct. On va entrer dans le vif du sujet. Donc ça, c'était l'introduction pour dire aux gens de Berthois de ne pas manquer votre ville. Quand un prophète entre dans une ville, c'est pour que Satan soit renversé, pour que le peuple soit libéré, qu'il soit délivré. Donc, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je ne vais pas parler en quelle langue encore. Je crois que là, c'est bon. Donc, voilà, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Père, nous te glorifions au nom de Jésus. Prions ensemble. Disons merci à Dieu pour cette occasion solennelle qui nous donne d'être là pour le moment, si dans sa présence, demandons à Dieu un entendement de disciples pour comprendre sa parole et la saisir. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Gurata wa anna aspromida li filika, wa anna asmani talaza, rabuni filikota wa anna manta udali bazera. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes encore d'être présent dans ta maison. Seigneur, ici d'être présent en toi. Seigneur, merci pour ce moment. Donne-nous un entendement de disciples pour comprendre la parole selon ce qui est écrit et leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom souverain Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Dis Amen et le Seigneur vient d'ouvrir ton attentement. Nous allons prier que Dieu mette fin à la domination de Satan et des méchants dans nos vies et dans nos familles. Que l'œuvre de méchanceté, l'œuvre de haine, l'œuvre de jalousie, l'œuvre de sorcellerie soit stoppée net dans ta vie, dans ta famille, dans ta carrière, ta vie sentimentale, dans tes projets, etc. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus. Walita udali barika anna aspraviden, lobrasmen edali anna u el bazera. Seigneur, nous prions au nom précieux et souverain de Jésus. Que l'œuvre de Satan dans nos vies, contre nos carrières, Seigneur, soit anathème au nom de Jésus. Toute personne attaquée par les puissances de sorcellerie, toute personne qui est embrigadée, Seigneur, par les forces du mal, que la puissance du méchant dans nos vies, dans nos familles, soit brisée net en plein midi au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je proclame la délivrance de ton peuple, la délivrance de mes frères, la délivrance de mes sœurs, dans le nom souverain de Jésus-Christ. Béni soit ton nom parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il y a tellement de malades, tellement de personnes qui souffrent de maladies dues à la sorcellerie, aux envoûtements, aux enchantements, aux mauvais sorts qui sont lancés. Nous allons prier pour ces personnes. Si vous aussi, vous avez une maladie en vous et vous voulez voir le miracle de Dieu, vous avez suivi hier le témoignage de plusieurs personnes qui ont été guéris juste à travers la télévision. Donc, je vais tendre ma main. Tu touches ton téléphone ou bien ta télé. Tu crois que Jésus-Christ, par son sang, te délivre et immédiatement, tu reçois la guérison. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père, je tends ma main dans le nom souverain de Jésus-Christ. Je proclame la guérison et la santé dans nos vies, dans la vie de ton peuple. Toute maladie mystique, toute maladie qui a été donnée par des mauvais sorts, par des pratiques de sorcellerie. Seigneur, nous annulons ces maladies. Nous détruisons leurs sources au nom puissant de Jésus. Et je proclame la restauration de ton peuple. Toute personne malade reçoit la guérison. Quel que soit le nom de la maladie, Seigneur, de notre tête jusqu'à la plante de nos pieds, que ton sang nous purifie, qu'il nous épure de toute forme de maladie, accorde la santé, la guérison et l'embonpoint à tous ceux qui sont connectés par la foi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu as dit Amen. Que le Seigneur vienne de te bénir et de t'accorder la guérison dans ces maladies. Jésus-Christ a dit, lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçue et vous verrez la chose s'accomplir. Maintenant, nous allons prier. Que cette porte qui est devant toi, qui refuse de s'ouvrir, tu as fait tous les efforts possibles. Tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait, mais la porte est restée intacte. Nous allons prier que cette porte soit ouverte maintenant, dans ta vie, dans ta carrière, dans ta vie sentimentale.
Peut-être que ta vie sentimentale, c'est de déception en déception. Les portes du mariage refusent de s'ouvrir. Nous allons prier pour que cette porte s'ouvre dans le nom souverain de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Père, au nom de Jésus, nous nous attaquons portes fermées, aux portes antiques maléfiques qui ont été bloquées par nos ennemis dans les enchantements de la sorcellerie ou par des démons. Au nom puissant de Jésus, portes, ouvrez-vous. Ouvrez-vous dans le nom souverain de Jésus. Nous brisons les verrous de fer et nous proclamons la restauration, la délivrance et la guérison immédiate de ton peuple. Seigneur, que tout esprit de blocage se prosterne devant nous maintenant et fléchisse le genou devant le nom souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ces portes soient ouvertes. De même que tu as ouvert les portes de la prison de Pierre, toute personne qui est dans des prisons maléfiques, Seigneur, je commande que les portes de sa prison s'ouvrent et la personne est libre, elle sort et elle est libérée. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Ta grâce est abondante au milieu de nous. Merci parce que nous sommes bénis, nous sommes libérés, nous sommes guéris. Et à partir de maintenant, nous jouissons, Seigneur, des pleines prérogatives en tant qu'enfant de Dieu dans ton royaume et des disponibilités volanistiques que tu as mises à notre disposition. Béni sois-tu pour l'éternité. À toi la louange et la gloire au nom précieux souverain de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, nous allons entrer dans les Saintes Écritures. C'est à la lumière des Saintes Écritures et nous allons partager des expériences comme ça. Je parlais de la délivrance de mon épouse concernant ce coq qui ne voulait pas qu'on puisse avoir un enfant. Il faut savoir une chose, mes amis. Vous savez, dans la vie, l'humilité, c'est important. Et comprendre la science de la vie est aussi important. Il faut comprendre la science, les sciences de la vie. La vie, c'est une science. Il faut comprendre cette science de la vie. Et parfois, lorsque vous regardez, vous allez voir que beaucoup de personnes vont dans le mauvais sens. Beaucoup de personnes prennent la mauvaise direction dans leur vie. Et vous le savez, vous le voyez. Mais si vous parlez, ces personnes-là pensent plutôt qu'elles vont dans le bon sens. Et ça pose un réel problème. Donc, la sorcellerie existe. La sorcellerie est une réalité. C'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui ont exprimé leurs pensées. Et dans tous les cas, c'est libre. Chacun est libre d'exprimer sa pensée. Mais cependant, en tant qu'enseignant de la Bible et apologète chrétien, j'ai aussi une lourde responsabilité de ramener les gens, lorsque c'est nécessaire, de ramener les gens à la raison biblique. Je parle de la raison biblique, pas à notre raison ou à la raison de ma sagesse personnelle, mais à la raison biblique. C'est important. Le peuple de Dieu doit être éduqué. Les enfants de Dieu doivent être des érudits dans les Saintes Écritures. On doit être des saints. Malheureusement, dans notre génération, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Et ça pose un réel problème dans l'église de Dieu aujourd'hui. Tout le monde connaît. Et tout le monde a sa thèse à lui. Mais je pense qu'un bon prédicateur, un bon enfant de Dieu, c'est quelqu'un d'abord qui a un amour particulier pour la Bible, pour sa Bible, pour le livre de Dieu, qui aime ce livre, qui le lit et qui le sonde, qui le médite dans les profondeurs pour comprendre la pensée réelle de Dieu. Donc c'est important de le savoir, voyez. La vie aussi a des réalités. Jésus-Christ, lorsqu'il marchait avec les apôtres, leur disait, il leur disait, levez les yeux, regardez les champs de blé. Vous trouverez qu'ils sont en train de fleurir. Alors, quand vous voyez cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moisson n'est plus loin. Donc, c'est ça l'expérience de la vie. J'ai parlé de ce thème et il y a tellement de choses que je partage comme expérience. Aujourd'hui, mon Michalom n'est pas là. Et je pense qu'il y a des expériences que nous avons vécues qui sont utiles encore aujourd'hui. Il y a des personnes qui disent, non, vraiment, il faut la laisser se reposer en paix. Non, on ne peut pas la laisser se reposer en paix. Moi, je ne pense pas que c'est trop que vous vous souciez d'elle ou bien que vous l'aimiez trop. Vous ne pouvez pas l'aimer plus que je l'aime. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Que vous l'aimiez plus que je l'aime. Ça, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, vous étiez même où d'abord à ses obsèques? Vous étiez où? À son deuil. Donc, c'est ça un peu le problème. Moi, je pense plutôt que le fait que je parle d'elle gêne plusieurs personnes. Ça me met mal à l'aise. Certaines personnes qui ne l'aiment pas, qui aurait souhaité que sa mémoire soit oubliée d'aussitôt. Aussitôt, elle est partie, aussitôt, on doit l'oublier. Ça fait mai, juin, j'ai août. C'est 2 mois aujourd'hui. 2 mois ou 3 mois environ. Donc, il y a dit, non, vraiment, il ne faut pas parler d'elle, c'est de l'idolâtrie. Quelle idolâtrie? Ce n'est pas de l'idolâtrie, sincèrement. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Parce que si c'est de l'idolâtrie, parce que non, elle est morte, et donc on va l'oublier, on ne va plus l'évoquer, on ne doit plus parler d'elle.
et que c'est de l'idolâtrie, je pousse les gens dans l'idolâtrie. Ça veut dire que vous êtes les premiers idolâtres. Puisque tous les jours, vous parlez de l'apôtre Paul qui est mort, lui, ça fait plus de 2000 ans. Vous parlez de l'apôtre Pierre tous les jours, vous lisez, vous parlez de leur témoignage, vous priez avec leur nom, vous priez, vous demandez leur grâce, vous évoquez leur nom, ça fait 2000 ans, on ne les a pas oubliés, on les célèbre encore, on célèbre leur grâce, etc. On prend des jours de jeûne et de prière pour se connecter à leur onction, à leur grâce. C'est donc la plus grande idolâtrie. C'est des morts. C'est la plus grande idolâtrie. Donc moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent. Il y a des choses que quand ça va vous arriver, vous comprendrez. Parfois, il y a des leçons, malheureusement, qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on est aussi frappé par le même malheur. Et là, tu reviendras sur les réseaux sociaux, tu vas parler de ton mari qui est mort ou de ta femme qui est morte. C'est où tu comprendras si tu aimais ton mari. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a aimé sa femme ou bien son mari, comme j'ai aimé mon épouse. C'est ça la vérité. Ce n'est pas tout le monde. Je sais que dans vos foyers, dans plusieurs foyers chrétiens ou non chrétiens aujourd'hui, il y a des conjoints qui souhaitent la mort de l'autre. Il y a des gens qui prient pour que l'autre meure. Moi, j'ai vu des miracles. Et ces miracles-là, on continue à les voir aujourd'hui. Ma femme, c'était mon amie. Ça, c'est la vérité. C'est la meilleure amie que j'ai jamais eue. C'est le meilleur confident que j'ai jamais eu. Donc, quelqu'un ne peut pas changer ça. Si ça vous dérange, vraiment, désolé. Et je pense que ça ne va rien changer. Il faut que les gens comprennent cela. C'est très important. C'était ma meilleure amie. Je sais qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui où le mari souhaite la mort de la femme ou la femme souhaite la mort du mari. Moi, j'ai vu, par exemple, un de mes voisins, sa femme est morte. Sa femme meurt. L'homme est terrible. Hein. Que Dieu nous aide. Que l'évangile vous touche et vous convertisse vraiment. Que le vrai Jésus vous touche. Et que la connaissance de la Bible. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il parle trop de sa femme. Toi, tu parlais de Paul qui n'était pas ni ton oncle, ni ton cousin, ni ton père, ni personne de ta famille. Mais tous les jours, tu parles de lui. Qui de nous, quand tu parles de la Bible, ne vaut pas le nom des morts dans la Bible? Tous là sont morts. Mais nous parlons de tous les jours, ça ne dérange personne. Parce que le prophète Kané Ferdinand vient parler de son épouse. On dit que non, elle est déjà morte, il faut la laisser se reposer. Se reposer tranquillement. Ce n'est pas vraiment le repos que tu veux pour elle. Depuis que Paul est mort là, il s'est reposé, tu l'as laissé se reposer. Tu as laissé Pierre se reposer. Tout à l'heure, on a prié, on a cité le nom de combien de personnes qui sont mortes. Tu cites les prophètes Esaïe, les prophètes Jérémie. On cite tous ces gens, Abraham, Isaac, Jacob. Tous les jours, ce n'est pas des morts. Pourquoi vous ne les laissez pas se reposer? C'est ça la réalité. C'est des morts, c'est le nom des morts. Vous priez avec le nom des morts. Tous les jours, ça ne vous dérange pas. Mais parce que quelqu'un veut pérenniser la mémoire de son épouse, vous, ça vous dérange. Je ne pense pas que le problème, c'est que il faut laisser sa mémoire se reposer. Laisse la mémoire d'Abraham se reposer. Laisse d'abord la mémoire de Jean-Baptiste se reposer aussi. Laisse, ne lis plus la Bible, ferme la Bible. Laisse les mémoires de toutes ces personnes mortes dans ta Bible se reposer. Avant de venir me demander de laisser la mémoire de mon épouse se reposer. Tu as déjà vu la mémoire se reposer où? Tu as déjà vu la mémoire se reposer où? Tu as vu la chambre, la mémoire, le lit dans lequel la mémoire dort pour se reposer? On t'a dit que la mémoire se repose. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, je disais que j'ai un voisin, vous voyez, cet amour que j'ai connu dans mon foyer, beaucoup d'entre vous ne le connaissez pas. La manière dont vous parlez me montre tout simplement que si vous êtes une personne mariée, vraiment, votre femme meurt ou bien votre époux meurt, ça ne vous portera aucun préjudice. Ça ne vous affectera en rien. Parfois, je suis tourmenté de voir que les gens me disent que, il a maigri, tu as beaucoup maigri, hein. Depuis que ta femme est morte là, tu as maigri. Vous voulez que je prenne le poids? Donc, vous voulez que je devienne obèse comme ma femme est morte? Mais il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. On n'a pas les mêmes relations conjugales. On n'a pas les mêmes relations conjugales. C'est ça la vérité. J'ai parlé d'un voisin. D'un voisin, sa femme est morte, que je connaissais très bien. C'était des voisins, c'est des voisins. Sa femme est morte. Moi, je suis allé là-bas pendant que le corps était à la morgue. Une autre femme était déjà dans la maison. C'est notre femme qui organisait l'enterrement de sa femme. Et quand j'arrive, le monsieur n'a aucun regret. C'est moi plutôt qui le console. Il me dit, ne pleure pas vraiment. Prophète, ne pleurez pas. Ne vous faites pas de soucis, ça va. À vrai dire, il fallait qu'elle parte déjà. C'était le temps pour elle de partir. Frère, j'étais glacé. C'est comme si on m'avait versé de l'eau glacée immédiatement. Je lui ai dit, ok, d'accord, bye, je m'en vais. Et quand je pars, je ne lui ai plus jamais dit bonjour. Je le vois, je ne lui dis pas bonjour. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas comment... Tu vis avec une femme, vous avez des enfants, pendant des années, plusieurs enfants, ils ont plusieurs enfants. Et ta femme meurt, elle est encore à la morgue, tu prends déjà une autre femme. Une autre femme vient faire les obsèques de ta femme, ça veut dire que du vivant de ta femme, tu avais déjà des relations avec cette autre femme. C'est ça la vérité. C'est quel genre comme ça?
même pas respecter la mémoire. C'est moi qui respecte la mémoire de ma femme. C'est vous qui ne la respectez pas. Et puis je comprends, vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien à cirer. Qu'elle soit morte ou qu'elle soit vivante, ce n'est pas votre affaire. Donc ne venez pas essayer de faire comme si vous l'aimiez plus que moi, bien comme si vous alliez me donner une leçon d'amour. Quel amour que vous, vous connaissez? Sincèrement. Quel amour que vous connaissez? Vous faites attention. La Bible explique que lorsque Abraham, lorsque Rebecca, lorsque maman Sarah est morte, après quelque temps, Abraham s'est remarié. Il a pris d'autres femmes, parmi lesquelles Keturah. Mais la Bible explique quelque chose de fascinant. Lorsque Abraham a senti que sa mort prochaine se faisait ressentir, il a donné des instructions. Il a dit, si je meurs, ramenez-moi et enterrez-moi auprès de Sarah, ma femme. Donc tout le reste là, vraiment, ce n'est pas important. Ramenez-moi. Il a fait deux caveaux où Sarah était à côté. Et lui, il devrait être à côté. Il n'a jamais oublié sa bien-aimée. Vous voyez, quand vous avez vraiment aimé une personne, la mort c'est quoi? C'est une séparation de corps. La mort ne veut pas dire une séparation d'esprit. Comment est-ce que vous pouvez accepter que votre conjoint meurt, s'il y a une séparation de corps et vous voulez en même temps une séparation d'esprit? Qu'on oublie la mémoire. Ce n'est pas que vous voulez que sa mémoire se repose. Vous voulez qu'on oublie sa mémoire, qu'on ne parle plus d'elle, que ça soit comme si elle n'avait jamais existé. Je ne suis pas ce genre d'homme. Chez nous, les nordistes, il y a ce qu'on appelle amana. Amana, c'est la loyauté, la fidélité. C'est l'intégrité. Amana, c'est ça. Être fidèle à quelqu'un, être fidèle à une idée, être loyal. Nous nous attachons et nous sommes loyaux. C'est une valeur profonde que peu d'hommes ont aujourd'hui au milieu des humains. Peu de personnes ont cette loyauté-là. C'est ça la réalité. Et je pense une autre chose, que, une autre chose c'est quoi? C'est que aujourd'hui, je suis resté loyal à ma belle famille. Je suis resté très loyal à ma belle famille. Très loyal. Ça veut dire que les frères et les sœurs de mon épouse, je garde la même amitié avec eux. Je garde les mêmes relations avec eux. Je garde le même amour pour chacun d'eux. C'est-à-dire que c'est comme si Momi était là. Pour moi, c'est naturel. Pourquoi? Parce que la manière dont elle a marqué ma vie, la manière dont sa mère, ma belle-mère, a marqué ma vie, ne me permet pas d'être déloyal. D'être déloyal. C'est-à-dire que quoi qu'elle ne soit plus là, je reste loyal à leur amour pour moi, je reste loyal à leur fidélité envers ma personne et envers l'amour qu'elles ont prouvé pour moi lorsque je n'étais rien. Et je comprends que si c'était toi, et certainement, tu aurais balancé la belle famille là, tu aurais déjà pris une autre femme immédiatement pour faire un changement de gouvernance, de gouvernement. Non, moi je pense que la vie c'est pas comme ça, nous c'est pas comme ça. Dans tous les cas, moi, c'est pas comme ça que je vois la vie. Donc vous avez votre philosophie, ne me l'imposez pas. Je ne vous impose pas ma philosophie et vous gardez votre philosophie pour vous. Il y a des personnes qui disent non, depuis que sa femme est morte et là, sa tête ne tient plus bien. C'est pour cela que vous voyez les thèmes de ses directs, etc. Vous savez que lorsque Momi est morte, j'ai dit quelque chose. Je vous ai expliqué qu'un guerrier qui a tout perdu et qui n'a plus rien à perdre est plus dangereux qu'une armée qui a tout à perdre. Donc c'est ça que vous êtes en train de voir maintenant. C'est ça que vous êtes en train de voir actuellement. Vous pensez que j'ai perdu la tête, vous êtes troublé. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à respirer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis un guerrier solitaire qui n'a plus rien à perdre. Voilà pourquoi je peux parler de n'importe quoi et de n'importe quel thème. Et je m'en fous. Vraiment, je m'en fous éperdument de si ça te plaît ou si ça ne te déplaît pas. J'ai une mission. J'ai un engagement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son Église. Et c'est d'enseigner la parole de Dieu et de rectifier les bêtises, les erreurs que je vois aujourd'hui dans l'Église, les erreurs doctrinales de conception, etc., où l'Église est basée non sur la doctrine vraie de la Bible, mais sur les oui-dire, ou bien sur les stéréotypes, ou alors sur la tradition orale. Nous voulons rectifier cela. C'est un engagement auprès de Dieu. Voyez. Donc, c'est une responsabilité que je porte. Donc, s'il y a un thème qui ne te plaît pas, vraiment, bien aimé, tu peux exprimer ce que tu exprimes. Moi, je n'ai aucun problème. Tu peux insulter, je n'ai aucun problème. Mais le seul problème que j'ai dit, insulte-moi en français. Parfois, vous m'insultez, je lis, je ne sais pas si c'est le charabia, ce n'est ni le français, ni le tikar, ni l'arabe. Je ne comprends pas bien ce que vous dites. Donc, c'est important d'insulter, mais insulter soigneusement. Que Dieu vous bénisse. Mais il faut donc que vous compreniez cela. Ce que tu le veuilles ou pas, je parlerai d'elle. Que ça te fasse sauter du calendrier, c'est ton problème. Je parlerai d'elle. Mais si toi, ta femme, va mourir, tu vas l'enterrer dans la poubelle, c'est ton problème. C'est ta femme. Mais moi, j'honore. J'ai appris à honorer les gens.
C'est ma tradition, c'est mon être là-bas. Et je pense que quelqu'un qui est vrai, une personne qui est consciente, il y a des choses que vous n'oubliez pas. Il y a des choses que vous n'oubliez pas. Je vous dis la vérité. L'Église de Dieu est tellement méchante aujourd'hui que je me demande parfois si c'est vraiment les chrétiens qui occupent nos églises ou c'est les extraterrestres. Ou si c'est la race de la vipère qui est venue occuper la place des fils du royaume de Christ. C'est ça la réalité. Tellement de méchanceté. Quand tu lis le commentaire de quelqu'un qui dit être chrétien ou homme de Dieu, tu te demandes s'il a le cœur ou bien le caillou. C'est ça la vérité. Mais le problème, vous le savez tous, la vie, la roue tourne. Un jour, toi aussi, ta part va arriver. Ça, c'est clair. Ta part va arriver. Quelque chose de très similaire va aussi t'arriver. Tu vas gérer. Mon beau-frère m'a expliqué quelque chose. Il m'a expliqué qu'au nord, dans l'église où il persévérait, il y a un frère qui a perdu son fils. Et il a pleuré son fils. Il s'enroule par terre. Il pleure son fils. On le console. Il est inconsolable. Il pleure son fils. Il s'enroule par terre. Et donc, un frère de l'église arrive et lui dit que, bien-aimé, tu pleures ton fils comme si c'est un païen qui est mort comment? Laisse-le partir. Hein? Les morts en Christ ne sont pas morts. Ton fils est au ciel. Donc, arrête ça. Hein? Tu fais honte aux gens ici. Pardon, lève-toi de la terre là. Il lui a parlé avec tellement de dureté que les larmes ont cessé de couler dans les yeux de son frère. Et son frère s'est levé. Et son frère a oublié. Il a arrêté de pleurer son fils. Et puis, ça n'a pas fait un mois. Lui-même, son fils est allé où se pêcher et l'eau l'a emporté, il s'est noyé. Il s'est mis à pleurer. Il pleure. On le console. Il dit, mon fils. Il oublie qu'il a dit à son frère, son bien-aimé, de ne pas pleurer son fils, de laisser le Seigneur, les voix du Seigneur sont insondables. Le Seigneur a pris ton fils, laisse ton fils partir. Dis seulement gloire à Dieu. Chante des cantiques. Le gars n'a pas dit gloire à Dieu une seule fois. Il n'a pas chanté un seul cantique. C'est facile de conseiller les autres. Quand il traverse un moment difficile, que tu ne peux même pas imaginer la fournaise, la brûlure de la fournaise dans laquelle il se trouve. Jusqu'au jour où ça va t'arriver. C'est là que tu comprendras que j'avais eu tort de parler de telle façon. Nul n'est immortel parmi nous tous. Nul n'est immortel. Je peux parler comme ça, demain je m'en vais. Ou bien toi tu peux me suivre aujourd'hui, demain tu ne me suis pas. Tu veux prendre la route là et c'est la mort. Donc il pleurait tellement, il pleurait plus que son frère à qui il a dit que pleurer, le mort c'est le péché. Personne n'a réussi à le calmer. Mais dès qu'il a vu son frère là, qui venait aussi au deuil, à son deuil, il a vu son frère qu'il calmait lors de la mort de son fils, descend la colline, lui-même s'est levé. Hein. Il a enlevé la poussière au fit d'Imandumako. Il a enlevé la poussière sur son corps, il a détruit vite ses yeux pour que l'autre ne vienne pas l'attraper en train de pleurer son fils. Juste la présence de l'autre, vous voyez. Donc c'est ça la réalité. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, ferme ta bouche. Et vous devez savoir que la Bible dit que celui qui se moque du pauvre se moque de son créateur. Et le pauvre n'est pas seulement celui qui n'a pas d'argent, non. Et le pauvre peut aussi être dans le sens connotatif. Le pauvre peut être une personne qui passe à travers une épreuve. Voilà pourquoi quand quelqu'un traverse des difficultés, on dit « Ah, le pauvre !» Vous voyez. Donc, ce n'est pas que la personne n'a pas d'argent, mais c'est une expression interjective qui fait allusion à une situation difficile et malheureuse qu'une personne traverse. La Bible dit « Je suis malheureux, mais Dieu pense à moi. » Donc, c'est important. Dieu pense à moi. Donc, vous devez savoir que tes résultats du malheur d'autrui, c'est attirer ce malheur. Parce que Dieu te fera goûter à cela pour que ton orgueil puisse être brisé, que tu apprennes à ne plus blasphémer contre Dieu. La vie n'appartient à personne. C'est Dieu qui est le maître de la vie de chacun d'entre nous. C'est Dieu qui commande ton souffle. Donc, insulte-moi, mais n'oublie pas que le même, ou bien pire que cela peut arriver, que tu n'es pas exempt. Et surtout moi qui suis un homme consacré à Dieu depuis mon enfance, depuis ma tendre enfance, un homme qui n'a pas connu le désordre que les gens ont connu ici, les boîtes de nuit, on dit qu'on monte, on descend dans les bars, les bistrots, etc. Un homme qui n'a pas connu ces choses, cette dépravation de la jeunesse, bien-aimé. Et toi qui, les boîtes de nuit c'était ta maison, tu viens m'insulter ici sur Facebook, il faut faire attention, je vous dis la vérité, faites attention. Il faut faire attention, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à grandir. Que Dieu vous donne un cœur, un vrai cœur, un cœur humain. Et non pas un cœur démoniaque ou un cœur diabolique. Que Dieu vous aide. C'est pour vous que nous prions. Et je veux prier jusqu'à ce que Dieu intervienne. Voici quand nous lisons dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer les libres, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. De ça, c'est une prophétie que Jésus-Christ va lire. C'est la première lecture de la Bible, la première lecture de la Torah de Christ en public. Et puis, il parle de la délivrance du peuple. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, bien aimé, la même chose, je peux la dire aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez, la main de Dieu est puissante. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sans l'onction de Dieu sur vous. Vous ne pouvez pas. Non, l'Esprit du Seigneur doit être sur toi. Et c'est cet Esprit du Seigneur qui te donne les capacités spirituelles d'accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. Et l'onction de Dieu parle à travers ta vie. Et c'est par cette onction que nous brisons le joug. Aujourd'hui, vous pouvez voir les gens être guéris, les gens être bénis, comme ça s'est passé à Bertois. Pendant tous les voyages que j'ai fait ici, ou bien à Douala, ou bien dans toutes les villes où nous arrivons, les gens voient les œuvres du Saint-Esprit à travers un enseignement profond et qui stabilise ta foi en Jésus, à travers des prophéties tangibles, à travers des témoignages puissants, à travers la guérison, des miracles, etc. Ça, c'est le signe de l'apostolat que Dieu a posé sur ma vie. C'est ça la réalité, vous comprenez? Donc, j'ai parlé de ce coq et c'est une réalité. Il faut comprendre cela. C'est une réalité. Ici, il parle de la délivrance. Ça veut dire quoi? On ne peut pas délivrer une personne si cette personne-là ne souffre pas d'une captivité, ou bien d'une attaque démoniaque, ou bien de ce que l'apôtre Paul dans Colossiens 2, à partir du verset 13 à 15, a expliqué. Il a parlé de chérographon. Il parle de chérographon et de dogmachine. C'est-à-dire que la lettre de Satan contre son peuple, contre le peuple de Dieu, contenant des dogmachines, des décrets maléfiques visant à empêcher le peuple de briller comme son Dieu l'a dit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le peuple de Dieu, quand la Bible parle ici, la Bible ne parle pas d'un peuple païen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est ça qui m'intéresse. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez? Donc ici, Jésus-Christ parle au peuple de Dieu. Il ne parle pas aux païens. Donc, comment le peuple de Dieu peut-il être un peuple captif? Comment le peuple de Dieu peut-il avoir besoin de délivrance? Mais la réalité, c'est que nous tous, d'une manière ou d'une autre, dans chaque domaine, dans un domaine de nos vies, nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Chacun de nous fait face à des attaques démoniaques, à des attaques diaboliques. Ça veut dire que le diable fait tout pour reprendre contrôle sur ta vie. Et donc, tu as besoin de la délivrance. Et le mot délivrance vient du grec sozo, qui signifie tout simplement être sauvé de la puissance de Satan. Complètement sauvé de la puissance de Satan. C'est ça, délivrance, ça dit sozo en grec. Maintenant, écoutez, bien-aimé. Lorsque je me suis marié, à l'époque, j'ai dit à Momi que, en tant qu'homme de Dieu, je lui ai dit qu'on aura le problème d'avoir des enfants. Dans tous les cas, j'avais vu cela. Je savais que c'était un problème. J'avais le choix de ne pas l'épouser. J'avais ce choix. Je n'étais pas obligé de l'épouser. J'avais le choix de ne pas l'épouser. Parce que j'avais vu la difficulté. Mais la Bible dit l'amour est fort comme la mort. Et ses fièvres sont des fièvres brûlantes. Même les grandes eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Et donc cet amour qui est plus fort et qui est fort, autant fort que la mort, m'a poussé donc à prendre cet engagement. Et nous avons passé des années, il n'y avait pas d'enfant. Et nous avons commencé à prier. Avant qu'elle n'accouchât de notre fille, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je n'ai jamais parlé de cela. J'en parle aujourd'hui juste pour apporter ce témoignage-là et encourager quelqu'un en tant qu'enfant de Dieu, encourager un couple qui traverse un moment de difficulté ou bien quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir dans sa vie et qui est enfant de Dieu et qui ne comprend pas comment, en tant qu'enfant de Dieu, les choses peuvent être compliquées, parfois bloquées, difficiles pour lui. Le Seigneur t'aidera à travers ce témoignage pour que tu te relèves et que ton espérance soit renouvelée et rafraîchie devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous avons commencé à prier, on a engagé des prières de délivrance et de combat spirituel. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, quelle est la cause pour laquelle elle n'arrive pas à concevoir? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, parfois la délivrance est là, mais nous ne prions pas. Dieu veut te parler, mais tu ne vas jamais consulter Dieu. Consulter Dieu est important pour chaque enfant de Dieu. Apprenons à consulter Dieu. Donc j'ai demandé à Dieu, pourquoi mon épouse n'arrive pas à accoucher? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'empêche d'accoucher?
Alors, pendant que j'ai fait cette prière et que nous avons prié ensemble, un miracle s'est produit une nuit, pendant qu'elle dormait. Alors, elle a fait une vision. Dans la vision, elle a vu quelqu'un que je ne veux pas nommer ici. Elle a vu quelqu'un de sa famille. Et cette personne de sa famille était allée chez un marabout, chez un sorcier avec son nom. Il a dit que, comme elle s'est mariée, qu'elle n'accouche jamais. Elle ne va jamais accoucher. Et donc, cette personne a fait ces pratiques-là, et puis le marabout a fait des pratiques de sorcellerie. Et dans la vision, elle a vu, je pense, c'était quatre personnes, quatre anges, vêtus avec des blouses blanches, comme des médecins, la mettre sur le lit d'accouchement. On l'a fait coucher dans un lit d'accouchement. Et puis, elle était enceinte dans la vision. Elle dit qu'elle était enceinte. Et puis, on l'a opérée. Et les quatre l'ont opérée. Quand on l'a opérée, un coq vivant est sorti de son ventre. Il a fui, il a couru, s'est sauvé. Un coq vivant est sorti de son ventre, il a fui. Et puis les anges ont recousu son ventre. Et lui ont dit, maintenant, ça va, tu es délivré, tu es libre. Donc, lorsqu'elle m'a raconté cette vision, j'ai compris que quelque chose s'était passé dans le spirituel. J'ai compris que la main de l'ennemi était derrière le fait qu'elle ne puisse pas accoucher, parce qu'à l'hôpital, on avait dit que ses deux trompes sont bouchées. Donc, pour dire quoi, la sorcellerie est une réalité. Les attaques de sorcellerie sont une réalité. Il y a tellement de choses dans la Bible qui nous montrent que le diable peut être à l'origine du malheur d'un enfant de Dieu. Je parle d'un enfant de Dieu. Il faut comprendre cela. Le diable peut être à l'origine du malheur d'un enfant de Dieu. C'est pour cela que pour vaincre Satan dans le combat spirituel, il est capitalissime d'être une personne qui invoque le nom du Seigneur, surtout qui consulte Dieu. Quand ça ne va pas, va à genoux et demande à Dieu, Seigneur, cet hôtel est caché où? Je sens la présence d'un hôtel maléfique. Parce qu'il y a ce que j'appelle les hôtels cachés ou les hôtels silencieux. Les hôtels maléfiques silencieux. Cet hôtel est dans ta vie, mais tu ne peux pas le découvrir si Dieu n'a pas ouvert ta vie, tes yeux, pour voir cela. Un jour, j'étais en train de rendre ministère. Beaucoup de personnes se souviendront. C'était au palais des congrès. Et il y a une jeune femme qui s'est levée qui a dit que dans la sorcellerie, ils ont juré qu'ils vont tuer notre fille, Jemima. Et c'était une menace réelle. L'église a dit, oh, les gens ont parlé, les gens étaient fâchés. Et puis c'était normal. Toute brebis, on dit que ton pasteur, on va attaquer son enfant, qui est ta soeur, tu vas être en émoi, dont les gens étaient en émoi. C'était sérieux, les gens étaient en émoi. Et je n'ai pas pris ça à la légère. En tant que prophète et homme de Dieu, ayant l'esprit de discernement des esprits, je savais que ça, ce n'était pas une blague, ce n'était pas quelque chose juste comme ça. C'était une déclaration de guerre. Vous ne pouvez pas comprendre, frère, ni connaître le nombre de combats que nous soutenons, que moi je soutiens. Du soleil levant, soleil couchant, vous ne pouvez pas comprendre combien de guerres de l'Éternel je guéroie. Comme le dit l'adage, « Naftulei Elohim niftalti » j'ai combattu les combats d'Elohim. Vous ne pouvez pas comprendre combien de guerres. Quand le soleil se lève, pour moi, c'est la guerre. Quand le soleil se couche, c'est la guerre. Ma vie, c'est la guerre. Et mon épouse, sa vie, c'était toujours une vie de guerre. Donc, on a vécu comme ça, dans la guerre, comme des guerriers. Je l'ai formée comme une guerrière. Elle est morte, les armes à la main. Elle n'a pas renoncé au cœur des douleurs les plus atroces. Elle a continué à aimer Christ et à confesser le nom de Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Elle n'a pas régimé. Elle n'a pas murmuré contre Dieu. Elle n'a pas jugé Dieu. Jamais. Toi, tu viens parler fort ici, là. Tu peux supporter ce qu'elle a supporté. Tu peux endurer ce que nous avons enduré. Moindre chose, tu auras rétrogradé. C'est ça la réalité. Hier, lorsque j'ai fait le direct d'hier, quand j'ai fait le direct d'hier, vous allez voir qu'à la lumière des Écritures, avant le direct, il y a eu un direct qui passait, Momi enseignait, qui est à la lumière des Écritures. Vous allez remarquer, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Pendant cette émission, elle est partie. Et c'est moi qui suis venu continuer l'émission. Hier, l'émission de à la lumière des Écritures de Momi, hier, vous allez remarquer qu'elle a commencé, elle est partie, et elle n'est pas revenue, c'est moi qui suis revenu. Laissez-moi vous expliquer un peu ce qui s'est passé ce jour-là. Et quand vous allez voir, c'était récurrentiel. Il y a beaucoup d'émissions qu'elle commençait, elle part, je viens finir. Et je vais vous expliquer pourquoi. À chaque fois qu'elle faisait une émission et que vous la voyez arrêter l'émission et disparaître, et que je viens, c'était la souffrance, c'était les douleurs. Mais elle n'avait jamais
laissait exprimer sa douleur devant les gens. Dans la chambre, elle se couchait par terre, s'enroulait par terre, criait et appelait le nom du Seigneur Jésus-Christ à cause des douleurs atroces qu'elle ressentait. Donc quand je descendais parfois, on avait pleuré, on avait prié devant le Seigneur. Mais à cause des brebis, à cause de notre engagement de servir Dieu, nous n'avions pas le droit d'exprimer nos faiblesses devant le peuple de Dieu. Nous n'avions pas le droit de décourager le peuple de Dieu. Elle a compris cela. Elle a été une grande guerrière. Donc je la laissais pleurer dans la chambre et je descendais, continuer l'émission. Vous ne pouviez pas imaginer dans quel état d'esprit j'étais. Je faisais mon travail, elle faisait son job devant le Seigneur. Nous le faisions, nous nous rassurions de faire notre job de manière irrépréhensible devant Dieu. Dieu a dit à Jérémie, puisque tu aimes ta femme, aujourd'hui même, ce soir, je vais tuer ta femme. Et dit à Jérémie, lorsque je vais tuer ta femme, tu ne pleures pas. Mais c'était à Ézéchiel plutôt. Et le même soir, la femme d'Ézéchiel qu'il appelait ses délices, parce qu'Ézéchiel était avec sa femme comme j'étais avec Momie. Dieu a pris la femme d'Ézéchiel la même soirée. Et il a dit à Ézéchiel, tu ne pleures pas. Ézéchiel n'a pas laissé paraître sa tristesse. Et c'est ce que nous vivions avec elle. Parfois, elle prêchait à l'église. Dès qu'on entrait dans la voiture, elle pleurait de la voiture jusqu'à la maison. Et j'ai des enregistrements audio. Je vais vous faire écouter ça peut-être lors du direct de demain. Je vais vous faire écouter pour que vous compreniez un peu notre culture de la guerre. Combien nous sommes prêts, pas seulement à souffrir pour Jésus. Parce que vous dites, non, je peux mourir pour Christ. Vous le dites de la bouche. Vous le dites de la bouche. Il y a des choses que je suis sûr qu'au moins 75% de ceux qui sont connectés à ce direct ne peuvent pas supporter. Mais que nous avons supporté sans murmurer contre Dieu. Qu'on peut supporter. De la bière là jusqu'à la maison. Elle criait dans la voiture. Et avec moi, sa fille et elle qui connaissions ce qui se passait et les habitants de la maison. Ça veut dire que ses frères et ses soeurs à la maison. Mais nous avons gardé le silence devant Dieu. On n'a jamais jugé Dieu. On n'est jamais venu se plaindre devant un homme. Nous avons porté notre croix devant Dieu sans nous plaindre devant qui que ce soit. Parce que ma responsabilité, mon engagement chrétien m'engage à moi et à moi seul. Je n'ai pas à venir te troubler avec mes fardeaux. C'est ça la réalité. Et là, toute sa vie, c'était un combat. Et si j'ai dit toute sa vie, c'était un combat, ça veut dire que toute notre vie, c'était un combat. Parce que mes combats sont ses combats. Et ça, la vérité. Elle n'a jamais connu de repos ni de répit. Donc, nous n'avons jamais connu de repos ni de répit. Mais on a enduré cela. Demain, je vais vous faire écouter. Et je vais vous faire écouter quelques enregistrements des moments compliqués que nous avons passés dans la voiture. Comment elle criait. C'est pour ça, dimanche passé, lorsque je me suis habillé, j'étais déjà très en retard par rapport au culte. J'étais en retard. Et dans ce retard-là, Mireille était en train d'habiller la petite Jemima. Et quand j'ouvre la porte de ma chambre pour voir si elle est habillée, je l'entends demander quelque chose à sa tante. Elle dit, je veux maman. Et je demande à Mireille, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, Mireille m'a donné une réponse, elle n'avait pas compris. Moi, j'appelle la petite. Elle vient dans ma chambre. Lorsqu'elle entre dans ma chambre, elle se met à pleurer. Elle pleure à chaudes larmes. Et je lui demande, mais pourquoi tu pleures? Explique-moi, elle ne fait que pleurer. Je lui dis, mais si tu ne m'expliques pas, comment pourrais-je t'aider? Donne-moi au moins le pourquoi de tes pleurs. Et elle ne faisait que pleurer. Elle pleurait à tue-tête. Elle pleurait à tue-tête. Et je lui dis, chérie, s'il te plaît, écoute. Si tu pleures sans rien me dire, ça ne m'aide pas et ça ne t'aide pas. Exprime-toi, je suis ton père. Ouvre-moi ton cœur. Pourquoi tu pleures? Elle me dit, je veux maman. Amène-moi chez maman. Elle me dit, non, je veux maman. Donc, vous voyez, immédiatement là, c'était comme une gifle pour moi. Je me suis assis par terre. Je l'ai prise dans mes bras pour la consoler. Et pour lui expliquer que maman est au ciel. Et que nous irons, mais ce n'est pas maintenant, mais on va retrouver maman prochainement. Et donc, jusqu'à ce qu'elle s'est endormie. Et je me souviens un jour, elle m'a trouvé en train de pleurer. Elle m'a arraché un sourire. J'étais dans la chambre. J'étais en train de penser à cet moment extraordinaire, épique, avec momie. Et puis, les larmes coulaient de mes yeux. Et quand elle m'a regardé, elle me demande, « Papa, tu pleures ?» J'ai dit, « Oui. » Elle dit, « C'est maman que tu pleures ?» Il dit, oui. Elle me demande, mais pourquoi tu pleures, maman? Je lui dis, parce qu'elle est partie. Parce qu'elle est partie. Et voici ce que la petite enfant, dans son innocence, me répond. Mais papa, il fallait partir avec elle. Pourquoi tu l'as laissée partir seule?
Et ça m'a arraché un sourire, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire, bien-aimés? Le christianisme que vous connaissez là, peut-être que ce n'est pas le même christianisme que moi je connais. Le Jésus que nous parlons ici, ce n'est pas peut-être le même Jésus que vous connaissez. C'est possible que ce ne soit pas le même Jésus. Le Dieu dont je parle, dont je suis le serviteur, est un Dieu qui n'a pas toujours été facile envers moi. Il m'a fait toujours vivre des choses compliquées, des difficultés que tu ne peux pas supporter, que beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas supporter. Mais j'ai appris à garder le silence devant Dieu. J'ai appris à combattre mes combats. Si tu me vois, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Non. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Nous passions des moments à pleurer, à crier devant Dieu. Mais elle me disait toujours, ne juge jamais Dieu à cause de moi. Mon mari, pardon, ne tire jamais contre Dieu. Aujourd'hui, c'est une source pour moi d'inspiration. Moi qui étais son père, moi qui étais son formateur, je vous dis la vérité aujourd'hui. C'est une source d'inspiration. Je prie aujourd'hui que Dieu me donne sa grâce. Vous imaginez ça? Parce que tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'un cancer du sein. Pas savoir, vous ne pouvez pas savoir. C'est que cancer du sein, ça veut dire les douleurs. C'était la première fois de ma vie de voir une telle horreur. Mais en même temps, j'ai vu l'horreur. Mais en même temps, j'ai vu une guerrière. Donc quand je dis que c'est ma guerrière, ce n'était pas là, ce n'est pas le jeu. Quand je dis guerrière, c'est au sens propre, au sens dénotatif et non connotatif du mot. J'ai vu une guerrière. J'ai vu une femme pleine de courage. J'ai vu une femme qui aimait Dieu, qui a vu son corps attaqué, comme l'apôtre Paul a dit. Même quand bien même cette tente qui nous abrite se détruirait, notre homme intérieur se renouvellera. Et j'ai vu ce verset biblique, je l'ai vu physiquement, corporellement, dans la vie de ma femme. Lorsque son corps était détérioré, lorsque son corps était atteint, sa foi, son homme intérieur se fortifiait. Et je lui disais, bébé, s'il te plaît, sois forte. Tiens bon. Et elle me disait, mon mari, si je ne tenais pas bon, je serais morte depuis. Et elle bénissait Dieu pour chaque souffle que Dieu lui donnait. Elle voulait qu'on oublie la mémoire d'une telle héroïne. Si la Bible n'était pas encore écrite, son nom serait cité dans les Saintes Écritures aujourd'hui, faisant partie des héroïnes de l'Église de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Et elle est partie avec le nom de Jésus-Christ dans sa bouche. Et je pense que les gens doivent comprendre que c'est une merveille. C'est une richesse. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et donc, nous allons dans la même lancée, nous allons dans la même direction. Notre engagement pour Christ, ce n'est pas pour vivre pour Christ seulement. Je ne suis pas prêt à vivre pour Jésus seulement, je suis prêt à mourir pour lui. Je suis prêt à endurer n'importe quel genre de situation pour Christ. Mais je ne renoncerai jamais. Dans notre race, on ne renonce pas à Christ. Dans notre race, on ne se décourage pas devant les batailles. Dans notre race, dans notre lignée généalogique spirituelle, on ne recule pas devant les forteresses de Satan. Mais on tient bon, on avance avec l'étendard. J'ai dit oui à Jésus, je ne dirai jamais non. Même s'il y a quoi, Dieu est mon Dieu. Il est le Seigneur de toute la terre. Il décide ce qui doit vivre longtemps, ce qui ne doit pas vivre longtemps. Il est le maître de ta vie, comme il est le maître de ma vie. Ni toi ni moi, personne n'a le contrôle sur sa vie. Donc l'humilité, c'est important. L'humilité, c'est important. Voilà pourquoi, frère, moi personnellement, comme je disais souvent à mon épouse, je lui disais que, tu sais, si je te dis ma philosophie chrétienne par rapport à la mort, ça va même te choquer. Et je partageais avec elle. Et ça l'a formée. Elle est devenue moi. Je me suis dupliqué en elle. Je n'ai jamais eu de fils qui m'ait autant bu comme ma femme. Personne. Je n'ai jamais eu. Jamais, jamais de la vie. C'est ça que quand je vois les hommes de Dieu qui ne donnent pas de la valeur à leur femme, quand je vois des maris qui n'associent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas jumelés à leur femme, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal, sincèrement. J'ai mal en même temps parce que mon épouse n'est plus là. J'ai aussi mal parce que les gens négligent le don que Dieu leur a donné. Ta femme, bien-aimée, doit être ton précieux. Madame, ton mari doit être ton précieux. Pourquoi les guerres? Pourquoi les luttes? Pourquoi les problèmes inutiles? Profitez de la vie. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Aime ta femme. Sois ta femme.
Femme, aime ton mari. Rends-le heureux, appelle-le ton Seigneur. Dans tous les cas, contribue à son bonheur. Sois un bonheur pour lui et qu'il soit un bonheur pour toi. Quand je vois des hommes de Dieu qui n'impliquent pas leur femme dans leur vie, qui n'impliquent pas leur femme dans leur ministère, j'ai mal pour eux. Quand je vois ces femmes marginalisées aujourd'hui, méprisées par leur mari, j'ai mal pour elles. J'ai mal pour ces couples-là. J'ai mal pour ces couples. Donc, bien aimé, hier, je vais vous donner l'impression que j'ai eue hier. Hier, lorsque je me suis couché, j'ai eu cette impression-ci. Forte qui est arrivée. J'ai dit, ah, si notre vie était comme un film qu'on regarde dans un téléphone, j'aurais appuyé marche arrière pour revivre encore au moins une minute avec elle. Une minute, juste une minute. Revivre une minute avec elle, où elle parle, elle est vivante. Une minute. J'aurais fait cela. S'il y avait la destination, on dit on passe comme ça pour arriver au séjour de mort, je serais arrivé là-bas. Je serais même déjà de retour. Bon, ça c'est moi. Bon, toi tu as ta façon de voir la vie. Peut-être ta femme, tu t'en fous. Elle-même, hein, c'est son problème. D'ailleurs que tu as le problème avec elle, tu ne l'aimes pas déjà de son vivant. C'est après sa mort que tu vas l'aimer comment? Ce serait un miracle. C'est impossible, c'est une impossibilité pour toi. Ton mari, certainement, tu ne l'aimes pas. Déjà, de son vivant, tu l'insultes. Tu lui manques de respect. Tu le maltraites, tu le méprises. Tu es sur sa mère, tu es sur son père, etc. Ce n'est pas quand il va mourir que tu vas l'aimer. Ça m'étonnerait. Je te comprends. Mais on est différent. On n'a pas la même vision de la vie. On n'a pas les mêmes convictions. Pour moi, je ne joue pas avec les sentiments. Les sentiments, c'est sacré. C'est très sacré. Si tu n'aimes pas une femme, ne lui dis pas « je t'aime ». Ne t'engage pas avec elle. Si tu n'aimes pas un homme, ne lui perds pas son temps. Ne t'engage pas avec cet homme. Mais si tu dis oui à quelqu'un, rends cette personne heureuse. Tu dis oui à un homme, rends cet homme heureux. Tu dis oui à une femme, rends cette femme heureuse. Apprenons à porter notre responsabilité sentimentale vis-à-vis d'autrui. L'amour, ce n'est pas une aventure. Le mariage, ce n'est pas une aventure. On ne se marie pas par aventure. On se marie par conviction et par amour. Pour moi, c'est important. C'est sacré. C'est ma vision des choses. C'est mon être là-bas. Donc, c'est un peu cela. Je ne peux pas épouser une femme pour ne pas être son ami, pour ne pas être son confident. Non. Si tu peux épouser quelqu'un pour que vous ne soyez pas... Moi, vous regardez, frère, les choses qu'on raconte aujourd'hui, mes enfants qui sont en train de me suivre en Allemagne, ils le savent. Mes proches le savent. Je n'achetais jamais rien. Je n'achetais rien seul. C'était deux-deux. Tout ce que j'achetais, c'était deux-deux. C'est ça la vérité. Et donc, en Allemagne, quand je suis arrivé... En Europe, pas seulement en Allemagne, même en Suisse, même en France. Mes enfants là-bas, tout ce qu'ils achetaient, les iPhones qu'ils m'avaient achetés, ils achetaient deux-deux. Les iPads, ils achetaient deux-deux. Parce qu'ils disaient que papa, on sait que vous et maman, vous êtes comme des jumeaux. Vous achetez tout deux-deux. Quand j'achetais un ensemble comme ça, c'était deux. Quand j'achetais une tenue, c'était deux. Quand on allait chez le tailleur, si je cours ma part, je cours sa part. C'était toujours deux-deux. C'était naturel. C'était comme ça. Et quand ils voyageaient, elle achetait deux-deux. Donc, c'était une coutume. Donc, c'est misérable. Lorsque vous voyez un couple où le mari achète sa part, la femme va aller chercher sa part. Le mari s'habille, ça ressemble à la planète Mars. La femme s'habille, c'est comme la planète Jupiter. Ça pose un réel problème. La vie est simple. Simplifions, ne la compliquons pas. Elle est déjà assez compliquée pour encore la compliquer. Donc, mes amis, que Dieu t'apporte une grande délivrance. C'est ainsi que le Seigneur a délivré mon épouse de la main de l'ennemi, de sa vie, et puis, de cet hôtel familial dans la maison de sa mère. Et juste après cela, on a eu une deuxième vision où des anges sont venus maintenant l'opérer pour mettre l'enfant. Cette fois, c'était moi qui ai eu la vision. Elle a eu la vision de sa délivrance. Moi, j'ai eu la vision de la conception. Voilà comment l'enfant est venu. Et c'est un miracle pour nous. Dieu peut vous délivrer de toute oppression de Satan. Faites-lui confiance. Mettez votre confiance en Dieu. Je parle de ma femme, qui était une servante de Dieu. Comme pour dire quoi, j'ai commencé par parler de l'histoire de l'enfant, parlant de la consultation de Dieu. Lorsque la jeune dame a dit que les sorciers, ils ont décidé qu'ils vont tuer l'enfant, je n'ai pas pris ça à la légère. Demain, je vais revenir sur cela. Jemima a failli mourir trois fois. Elle a failli mourir trois fois. C'est sérieux. Elle a failli mourir trois fois. Ou elle était presque morte trois fois. On a cru qu'elle était, elle était partie inerte trois fois. Je vais revenir sur ça demain. Jusqu'à ce qu'en consultant Dieu, Dieu me dise, regarde là-bas, j'ai ouvert mes yeux. Quand j'ai regardé, j'ai vu Satan. J'ai vu un hôtel de Satan sur lequel il était écrit Jemima. Et je me suis attaqué à cet hôtel. Et l'enfant a été délivré. Je reviendrai sur cela demain, lors de notre direct, à partir de 10h. Donc, que l'amour de Christ soit dans vos cœurs.
que la méchanceté, Dieu arrache ça, qu'il vous change ses cœurs. Pour ceux qui sont méchants, la Bible dit, j'ôterai en eux ces cœurs de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils mettent en pratique mes ordonnances et mes prescriptions. Que Dieu nous donne des cœurs de chair, des cœurs amour et que l'Esprit de Christ soit notre partage dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Habitant de Berthois, je suis avec toi tout à l'heure à partir de 16h. Ancienne SCT ici, bientôt, des milliers de gens viennent. Vous qui êtes autour de Berthois, ne manquez pas, s'il vous plaît. Demain, ça veut dire vendredi. Ce jeudi matin, à partir de 10h, 8h, 8h du matin, j'aurai l'opération 2 minutes face à face avec le prophète. Donc, inscrivez-vous dès maintenant avec tous nos partenaires de la ville de Berthois, tous les bienfaiteurs de la ville de Berthois. Je vous recevrai et je vous donnerai, c'est-à-dire le face à face avec vous, pour parler avec vous, causer avec vous et prier avec vous, vous donner une orientation prophétique, un conseil prophétique. Ça se passera ce jeudi à partir de 8h, toujours à l'église, l'enseigne de la SCT, ici au quartier Mokolo. Donc, inscris-toi à partir de ce soir, s'il te plaît. Et soyez très, très nombreux à vous connecter ce soir pour suivre en direct les merveilles de notre Seigneur. Et si vous êtes à Berthois, ne restez pas à la maison. Le Seigneur a visité votre ville. Venez très nombreux. Si vous n'avez pas été là mardi, soyez là aujourd'hui, mercredi, et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Hier, c'était l'introduction. Aujourd'hui, nous entrerons dans les ivresses et les folies de l'esprit. Je vous aime d'un amour vrai. Vendredi, nous aurons atmosphère de miracle à Yaoundé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 16h. Et pour tous nos internautes, demain, dès qu'il sera 10h, sur cette même plateforme, à la lumière des Saintes Écritures, à la mémoire de Bomi Shalom et Kané. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.